Comment rédiger une étude critique de documents en histoire ? L'introduction du travail est un moment important du devoir, puisque c'est par là que vous prenez contact avec votre lecteur. Vous devez commencer votre devoir par une phrase générale qui ne porte pas sur les documents en eux-mêmes, mais sur la période ou le thème que vous avez à traiter. Ensuite, vous allez analyser votre sujet en vous appuyant sur les mots-clés posés dans la question. Attention de ne pas oublier de présenter les documents en fin d'introduction. N'oubliez pas la règle des 3 QOC ou des 5 W en anglais : qui, quoi, quand, où et comment.